bien comprendre pourquoi les logements sont en train de se morfondre. Quota sur l'habitat, écoute ce que je dis. Les réparations, c'est prévu pour jamais, tant pis. Nous sommes des clients, pas juste des pigeons. On paye des charges, mais où est le pognon? Ascenseur capricieux, porte en mode déco. Est-ce trop demander un service à Coco? Quand l'hygiène de la ville dit que c'est des blattes, alors que l'exterminateur parle de punaises de lit acrobates. Les murs infestés, l'immeuble en pleine chute. Quota sur Habitat, t'es bien en déroute. Nous sommes des clients, pas juste des pigeons. On paye des charges, mais où est le pognon? Ascenseur capricieux, porte en mode déco. Est-ce trop demander un service à Coco? Les charges augmentent, mais les prestations se carapatent. Les dirigeants semblent oublier leur propre mandat. Et les agents terrain, eux, subissent les couacs. Ne sont pas coupables, mais bien les bureaucrates. Sans compter les rats plus gros que nos chats. Les rats qui nous attaquent, on vit les rats attaquent. Puis la rénovation, qu'on dit en concertation. Mais qui nous écoute vraiment dans ces discussions? Maquillage des façades. Des anciens logements, on veut des vrais travaux, pas des faux semblants. Nous sommes des clients, pas juste des pigeons. On paye des charges, mais où est le pognon? Ascenseur capricieux, porte en mode déco. Est-ce trop demander un service à Coco? Quota sur Habitat, t'as des devoirs envers. Le propriétaire doit fournir un logement décent, c'est clair. Les travaux qui ne sont pas des réparations, locatives à ta charge. Un logement décent, c'est pas juste un mirage. 5 critères à respecter pour la santé et la sécurité. Surface, énergie et pas de nuisibles, c'est la vérité.